pour une nouvelle vidéo sur Rival Stars, donc Rival Stars version PC. Je n'y joue pratiquement plus sur mobile, donc s'ajouter en ami et tout, c'est plus possible. Donc bon, bah, c'est une partie qui est déjà très très avancée. Si vous voulez qu'on recommence, bah, en fait, on peut recommencer une partie tous ensemble. Donc si ça vous dit qu'on recommence une partie de A à Z qui sera en let's play, bah n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Soit on est déjà niveau 18. Donc je vous propose de vous présenter gentiment l'écurie. Donc c'est l'élevage fly, voilà l'élevage fly. Qu'on fait des courses, du cross. Là, on va présenter les chevaux. Alors, on a Flamme Flies. Voilà, donc c'est une jument, je crois. Je sais pas trop ce que ça pourrait être sinon. Donc, voilà, c'est une jument qui est niveau 8. Niveau de sa robe, elle est un peu comme ça. On pourrait faire trop chercher, peut-être qu'on verra pour le pro. Donc, au niveau de ses parents. Donc, ça, c'était une de mes juments. Je sais même pas si je l'ai encore. C'est sa grand-mère. En fait, quand vous verrez Fly, c'est que ça vient de chez moi, entre guillemets. Et quand il n'y a pas Fly, c'est que ça vient de bas du jeu, en fait. On a Gentleman, donc lui, il a gagné plus de 70 millions de pièces en course. D'ailleurs, c'est un cheval que j'ai créé, donc vous pouvez retrouver mes créations personnalisées. Elles sont toutes disponibles dans le hub des créateurs, vous pouvez les télécharger. Donc, bah, il n'a pas de parents, il n'a rien. En fait, c'est des chevaux que j'ai créés pour les objectifs, par exemple avec le rival et tout. Ensuite, on a Witchfly qui est une jument qui a plus de 52 millions pareil, de gains à son actif. J'ai hâte de pouvoir les mettre à la reproduction. Parce que pour l'instant, je peux pas encore, j'ai pas le niveau. Ensuite, on a Picture qui a 2 millions. Voilà, et comme ça. Ah, c'est une création celle-là aussi? Ah merde, je crois que c'était quelqu'un que j'avais fait naître. Ah non. Ensuite, Différence Fly. Alors, elle, je sais pas pourquoi elle est là. Pédigré. Vous voyez par Calamity. Ah oui, elle est là pour la reproduction. Il y a des chevaux que je garde, que je ne vais jamais courir. Mais voilà, que je garde pour la repro, bah, pour les robes. Ensuite, on a Smashing. Alors elle. Ouais, elle est plutôt mignonne. Au niveau de son pédigré. Fly, fly. Ah bah c'est la sœur d'une qu'on a vue. Mirror, c'est mon étalon actuel. Parce qu'il est pie, mais il va pas tarder à dégager. Il est par Flame, Flamme et Aroma Fly. Bon, pas Flamme, bah, elle, je l'ai vendu, je crois. Ensuite, Calamity. Voilà, donc, ah, c'est une créa perso. Ok. Plus de 10 millions de gains, elle aussi. Moi, je comprends plus rien, mais créa perso, on a Icône. Voilà, créa. Merde, j'ai que des créas. Et on a Fever, qu'on va d'ailleurs qu'on va pouvoir vendre. Parce qu'au final, j'ai déjà une jument qui est comme ça. Donc, allez hop, on la vend. Pas besoin. Et maintenant, je vous propose qu'on aille faire des poules. Hein, donc, il n'y aura pas trop de coupures. Alors, on va s'occuper de la partie élevage. Et après, on fera un petit peu la partie compétition. Donc, on va aller faire des poulains. Élever un cheval. Donc, ouais, Witch. Je peux pas encore l'élever, 10 000 prestige rang 20. Alors, on va prendre celle-ci. Et est-ce qu'on va mettre. Le cheval est pas mauvais, donc on va mettre celui-là. Allez hop. Ensuite. Smashing. On va la mettre avec notre propre étalon à nous. En fait, j'ai tellement de thunes que je m'en fous s'il me manque des trucs. Ensuite, on va mettre les poulinages. Ah bah, ils sont tous en poulinage. On va regarder au marché s'il y a une jument à acheter. Non. Non, pas de jument. On va regarder un petit peu. Oh, une petite. Allez hop, on prend la petite crise. Allez hop, on l'achète. En plus, elle a pas des stats trop dégueulasses. Bien évidemment, on va la renommer. Enfin, on va d'abord la mettre. Ah, elle apparaît pas. En... Ah, mais je suis bête, j'en avais d'autres. Mais c'est pas grave. On va prendre Flamme. Et elle aussi, on va la mettre avec nos propres étalons pour voir ce que ça va pouvoir donner comme mélange au niveau de la robe. Élevée. Bon, bah, l'autre, je l'ai acheté. Elle me demandait pas pourquoi. Mince, on voulait la renommer. On va l'appeler.
Mais en fait, on va la vendre, enfin, la ça me fait de la peine, on va la mettre en pâturage, voilà, ça me fait de la peine. Voilà, on l'a mis dans le pâturage. Et du coup, si on va dans notre pâturage, on a celle-ci. Aller voir les chevaux. Ah, j'avais pas qu'on pouvait aller voir les chevaux dans le pâturage. Ah, ok, ça nous remet ça. Bon, du coup, on va la renommer. Hop, voilà. Donc, ouais, voilà, on peut voir, elle est dans le pâturage. Elle est bien mignonne. Ouais, peut-être. Je verrai, je ferai la photo de la miniature. Vous la verrez sur la miniature. Vous ne la verrez pas avant. Du coup, on va se diriger vers le cross, les objectifs et les courses. Voilà, tout de suite. Donc là, on voit qu'on doit battre le temps de Khadija dans Suisse Course 6. Donc on va aller faire ça. Et bien sûr, je vous emmène avec moi. Allez, la course. Et on prend... Alors, 78, 78. Ah! On prend Icône ou Calame? On va prendre... Allez, on va prendre la petite Calame. On va prendre Calame. Je crois vraiment qu'il a mis du cross. D'ailleurs, sur mobile, il y a les selles français qui sont sortis ou qui vont sortir, je ne sais plus. Ce serait trop bien qu'on puisse avoir ça bah, sur la version PC également, qu'on n'ait pas que du pur sang anglais. Donc peut-être que ça viendra, parce qu'après tout, le cross est venu en premier sur mobile et ensuite sur PC. Tu ne me rattraperas jamais. Tu vas voir si je te rattraperai jamais. Toi, tu te prends pour qui? Elle me connaît mal. C'est normal de perdre contre moi. Non, je crois pas. J'y travaille depuis des années, moi aussi. Je trouve ça sympa le cross comme ça. Et juste là, faut penser à ramener dans les tournants parce qu'en fait, des fois, on a des obstacles, ils sont juste à sortie comme ça. Heureusement que j'aborde pas comme ça mes obstacles dans la vraie vie. Enfin, si ça m'arrive des fois. Des fois, sur le cross, on est tellement plongé dans notre machin. Merde! Merde, merde, merde! Ah bah, on est foutu là. À moins qu'elle ait été très lente. 8, donc 9. Ah, il nous reste plus qu'un obstacle après ce machin. Voilà, 9 sur 10. Tu ne me rattraperas jamais. Bah là, j'avoue qu'avec la connerie que j'ai fait, j'ai un doute. Allez, on se dirige vers le dernier avec notre petite Calame. Alors, je sais pas si on l'a vaincu. Et si... Une 11 et une 7. Oh bah, on avait bien le temps de se paumer. Félicitations, vraiment, tu as mérité la victoire et la place au programme ambassadeur. Ouais, 800 XP pour la jument, 150 000 pièces d'or et des rations. Donc, on va aller de suite valider l'objectif, collecter. Hop. Je croyais que je détesterais te voir battre mon record, mais t'as géré. Pour être honnête, j'étais un peu jalouse. Tu as tant de talent et tu es soutenu par une super équipe au ranch Fly Stable. Maintenant que c'est terminé, je me sens soulagée. Tu as mérité la victoire. Je peux voler en cross-country sans être ambassadeur. Nous pouvons nous soutenir mutuellement. Après tout, mes followers t'aiment déjà. Montre-leur à quel point le cross-country peut être passionnant. Bah, on sait que le cross, c'est passionnant. Le cross... Oh ! C'est beau, on va aller voir. On va aller voir au rêve printanier. Épilogue. Ah, on a fini. On va aller voir du coup ce qu'on a gagné. Dans les scènes de personnalisation. Alors, c'est où? C'est là. Personnaliser. On va prendre qui? Bon, oui, t'as rien de nouveau. Bon, on va regarder sur elle, on va regarder sur Flamme. Ok. Regardez le petit ensemble. Ah, bah, alors, je trouve que la selle, enfin, elle va pas. Enfin, la selle, ça a pas. C'est mignon. Mais ouais, la selle est pas ouf, mais c'est mignon. Voilà. Mince, je sais même pas si du coup c'est équipé. Ah si. Ah ok, j'ai gagné. C'est même pas débloqué, c'est j'ai gagné l'équipement. Ok. Bon là, il me reste encore 33 000 mètres à parcourir dans les courses. Je vous propose d'aller voir une petite course. Hein. On va en garder juste une. On va pas enchaîner. On va faire celle-ci. Qui fait 2000 mètres, alors on peut prendre soit Icône, Calamity, Gentleman ou Witch.
Après, on prend icône. Bien sûr, moi je recrute. Je suis nulle en fait. Quand je fais gros, je suis nulle. Commencer. Et on va voir, on va regarder un petit peu la course. Donc là, on attend notre tirage de stalles. Des fois, ça rame un peu, c'est pénible. Donc, on a la stalle numéro 7. Bon, ça, hop, on s'en fout. Voilà. Alors, pour l'instant, on est 8e, 6e. Donc, c'est là, on est juste là où il y a la petite flèche. Et par contre, 2000 mètres à regarder. Bon, bah, je vous remonte très bien la courbe. Bah, là, on prend la tête. Hein. Mais on se fait dépasser, on repasse 2e, puis 3e. Ah, là on avance, on réaccélère, on reprend la deuxième place. Il reste encore plus de 1500 mètres, donc on a le temps, mais on reprend la première place. Je trouve honnêtement que les graphismes... Oh putain, comment il a tracé le pi. Les graphismes, ils sont... Je les trouve vraiment jolis. Enfin, ils sont pas exceptionnels, mais ils sont très loin d'être dégueulasses. Bon, c'est un peu la guerre avec le cheval pi qui est à côté de nous. Allez, il reste bientôt moins de 1000 mètres et on pointe pour l'instant à la deuxième place. Ouais, c'est vraiment très serré. Là, on voit les deux là devant. Ah, vous pouvez penser qu'ils sont vraiment collés. Ah, ça joue à un bout de naseau. Ah, on accélère un peu. On accélère. Il reste bientôt moins de 500 mètres. En vrai, ça va, c'est pas si long que ça à regarder. En fait, c'est plus long à jouer qu'à regarder. Ah, on a dépassé le deuxième. Par contre, derrière, ça accélère. Il faut voir que nous, bah, on s'active aussi un petit peu. Il serait grand temps de s'activer, en fait. Afin de garder la première place. Bon, bah, c'est bon, hein. Et la place est gagnée. Et voilà, en 1:38. Mais pour clôturer cette vidéo, on va passer les trois poules neige, comme ça on va pouvoir découvrir ensemble et nommer les poulains ensemble. Alors, on a une nouvelle pouliche. Qui est plutôt mignonne. On va faire soigner le poulain. Alors déjà, on va quand même lui donner un nom. Ah, Sun, c'était bien. Sunfly. Ok, donc confirmé. Donc on va visiter le poulain. On va le nourrir. Hop là. Parce qu'on peut soit les faire passer à adulte et ils gagnent pas de stats bonus, soit s'en occuper, soit les vendre directement. Voilà, donc plus on les mange, passer, c'est bien mignon. Ok, retour. Je peux la renouer? Non, dans 2 minutes. Hop là. Ensuite, ici. Hop là. Donc là, on a un étalon. Oh, il est beau comme un cœur. Soigner poulain. Tragédie à son nom pour une femelle. Splendide. Sleepy. C'est mignon. Allez hop, Sleepy Fly. Je m'en joue pour que les noms soient OK comme montateur. Sleepy Fly. Je trouve ça stylé si on écoute les courses comme ça. On va le visiter. Donc lui aussi, on va le nourrir. En fait, on peut gagner jusqu'à plus 16, donc au final, c'est plutôt avantageux, puis ça prend pas trop de temps. Et ensuite, toi. Et on a une autre pouliche à nouveau. Oh! Ah bon. Tuesday, allez hop. Tuesday Fly. Est-ce que c'est OK, commentateur? Tuesday's Fly. Ok, confirmé. Elle aussi, bon, on va quand même la nourrir. Parce que bon. C'est dommage qu'on ait que nourrir. Par contre, ça serait bien qu'on ait genre d'autres puissances. Genre, par exemple, brosser le poulain. Genre déjà brosser le poulain, curer les pieds de poulain. Truc comme ça. Donc voilà, une fois qu'elle a les yeux bleus, elle est jolie. Hein. Voilà pour les poulains. Ah oui, alors avant de se laisser là, donc créateur de cheval. Vous êtes dans hub de. Vous êtes dans création de communauté explorer. Et vous pouvez en trouver plein, voilà, téléchargement. Prix téléchargé.
Alors après, par contre, comment on peut rechercher? J'avoue que je ne sais pas. Mais en tout cas, bah, les miens, je vous les montre. Donc, il y a icône, calamity, calories, picture. Et j'aime beaucoup elle. Witches, enfin witch et gentleman. Ah oui, je le voulais comme étalon pour plus tard. Donc, ils sont tous disponibles au téléchargement. Alors après, par contre, comment on peut télécharger, enfin comment on peut rechercher, je sais pas vraiment. Tri. Par télécharger, par nouveau. Déjà, ouais, donc je sais pas trop rapport. Bah non, bah non. Ouais, non, après, je sais pas. Les miens sont disponibles, mais alors comment les télécharger, je ne sais pas pour faire la recherche. Donc s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, ce serait gentil. Donc voilà, c'est ici qu'on se laisse avec la pouliche et sa maman. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas si vous voulez quand même la suite de cette écurie jusqu'au prestige 20. Ou si vous voulez aussi qu'on recommence une écurie tous ensemble, donc vraiment du tout début du jeu, donc du niveau 1. Ce serait un peu l'écurie de la communauté, on pourrait trouver un nom. Si vous avez des idées de nom d'ailleurs en anglais du nom de l'écurie, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez un nouveau let's play. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. En tout cas, merci d'avoir visionné. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt, soit sur Twitch. Je vous rappelle, Twitch, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de lives sur divers jeux. Il y a les Sims, il y a Fall Guys, il y a Red Dead, il y avait du Hogwarts, etc. À savoir qu'aussi, c'est Fall Guys, je joue toujours avec les viewers. Il y a d'autres jeux game viewers. À un moment, il y a du Animal Crossing, du Mario Kart, etc. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Hein, le lien est dans la barre d'infos. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!